Bonjour à toutes, bonjour à tous qui arrivent. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que la reprise a été très bonne, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. De mon côté, tout a été parfait pour la rentrée et je suis contente de pouvoir reprendre un petit peu les lives avec vous dès aujourd'hui. Donc il y aura des petites semaines où il y aura des lives, soit le matin, soit l'après-midi, ou parfois je vous mettrai carrément le tutoriel en version papier, parce que des fois je ne pourrai pas par rapport à mon organisation. Mais on va tout faire pour que ça soit en direct. Donc on va attendre un petit peu que le monde arrive. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite carte pop-up accordéon. On va essayer de se rafraîchir un petit peu, comme le soleil et la chaleur est revenu. Donc, on va faire sur le thème des petits pingouins. Parce que je ne sais pas s'il fait chaud chez vous, mais moi, là, je bouillonne. On attendait tellement le soleil depuis un moment que là, il est venu d'un coup, la chaleur aussi. Et c'est peut-être un petit peu de trop, au final. Alors, je vais vous montrer la petite carte. Donc, comme ceci, avec le petit thème pingouin. Avec le papier de fond que nous avons en ce moment durant Celebration. Que l'on peut obtenir dès 60 euros d'achat. Et évidemment, les petits pingouins qui sont actuellement au catalogue automne-hiver. Et qu'on peut obtenir avec la perforatrice coordonnée. Et si vous voulez coordonner encore plus avec les petits papiers qu'il y a autour, là, le papier de fond, que l'on peut avoir par Celebration, comme je vous l'ai dit. Donc, voici l'intérieur. Voilà. Ça fait vraiment une petite carte pop-up. Alors, moi, j'ai décidé de la faire dans ce sens-ci. Comme ça, on pouvait mettre un petit message un peu plus grand, que ce soit en haut ou en bas. Et des petits personnages qui se trouvent sur le papier coordonné. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, cette carte pop-up, on peut la faire dans ce sens-ci ou dans ce sens-ci. Après, c'est libre à vous, selon la manière que vous voulez faire. Moi, je crois que c'était plus original de mettre dans ce sens-ci pour avoir les trois personnages. Mais là, je vais voir si je vais en mettre un quatrième ou pas. Je les ai préparés d'avant, donc nous verrons bien au moment où nous allons faire la carte. Donc, je la laisse sur le côté pour qu'elle soit visible de tous après. Donc, on va commencer par ceci. Alors, je vais vous donner les mesures au fur et à mesure. Donc, il faudra une base de papier qui mesure 21 par 14,5. Donc, vous choisissez une couleur unique comme vous voulez. Ensuite, donc, quand on aura plié, on prendra du papier à motif. Alors, moi, je reste dans le thème des petits pingouins. Que l'on mettra par-dessus là, je vous montre très rapidement. Alors le motif il mesure 10 par 14. Ensuite nous prendrons un petit papier blanc pour pouvoir faire le petit dessin, le petit motif que l'on veut sur l'avant de la carte et ça mesurera 9,5 par 13,5. Comme ça nous mettrons ici. Nous aurons également besoin d'une grande feuille blanche pour pouvoir faire le système de pop-up qui mesure 14 par 27 et avec les différents plis, et ça je vous le redirai au fur et à mesure, des petites chutes de papier pour pouvoir faire le message. Alors on va commencer tout de suite. Alors, prenez votre massicot. Donc, on va commencer par la base de la carte. Alors, comme je vous ai dit, la base de la carte mesure 21 par 14,5. Bonjour Virginie. Est-ce que ça va bien? Bonjour aux personnes qui arrivent. Là, ça va, je vois les messages. Donc, j'espère que vous m'entendez bien, en tout cas. Donc, on refait la base. Donc, j'avais dit 21 par 14,5. Et nous plions à 10,5. J'essaye d'être dans le champ. Si vous me voyez bien. On marque un pli à 10,5. Et on plie comme ceci à l'aide d'un plioir.
Où est-ce que je l'ai mis? Ici. Donc on marque bien, bien notre pli. Et ça, c'est vraiment notre base. Ensuite, on va faire tous les plis avant. Là, j'ai fait toutes les découpes pour être un peu plus rapide. Donc là, on va prendre notre morceau de papier blanc qui mesure 14 par 27. Et on va marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plis. Alors, c'est parti pour les 7 plis. Simon. Ma petite lame de pli ne se sauve pas. Donc on va marquer un premier pli à 7,5. Neuf et demi, 11,5, 13,5, je vous montre un peu plus, donc 13,5, 15,5, 17,5 et le dernier à 19,5. Voilà, pour l'instant j'ai plus besoin du massicot, j'ai fait toutes les découpes avant et nous avons fait les petits plis. Marque de plis. Alors pour ces plis là, je vous les laisse ici si vous voulez la faire en direct ou après. De toute façon, je vous redonnerai le PDF après quand je l'aurai fait pour la refaire en même temps. Donc là, on va plier notre carte là. Donc on va marquer les plis soit en vallée, soit en montagne pour fermer la carte. Donc le premier pli, hop, c'est en vallée et on marque le pli comme ça. L'autre pli, c'est un pli montagne, donc c'est à dire vers le haut comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien, et on fait ça ainsi de suite. Donc un pli vallée, hop, un pli montagne. Un pli vallée, un pli montagne, et un pli vallée. Là, j'ai mal fait, on va refaire. Voilà. Donc, si nos plis sont bien faits, correctement. Hop. Voilà. On devrait obtenir ceci. C'est plutôt dans ce sens-là. Voilà. Donc voilà, là on a fait entre guillemets la vraiment la base et l'articulation de la carte. Donc là derrière de la carte, ça va venir se coller. Ici, elle va être votre base. Et quand vous allez l'ouvrir, hop, ça va fermer. Ça va être comme ça qu'on va l'ouvrir. Hop, vous avez l'effet pop-up. L'effet pop-up recherché. Alors, avant de faire l'intérieur de la carte, on va faire l'extérieur. Alors, je vais essayer de repartir sur le même base de modèle de dessin. Donc, le tour du papier, moi j'avais fait, j'ai pris le papier que nous avons en ce moment, Celebration, avec les petits pingouins pour rester dans le thème. Donc si vous coupez à votre papier un motif, attention à la hauteur de votre papier. Là moi il fait 10 sur 14, mais si vous mettez dans l'autre sens, pensez bien à couper votre papier comme ceci de 14 et ici par 10. Faites attention parce que ça arrive souvent qu'on se trompe, malheureusement, et on le voit trop tard. Donc la papier motif, moi c'est 10 par 14, donc bien attention au motif. Et je mettrai le papier blanc par-dessus, avec le petit dessin que nous allons faire ensuite avec les petits pingouins, qui mesure 9,5 par 13,5. Voilà, donc on va coller ça juste après. Un petit peu un peu plus loin.
Je vais prendre du brouillon qui a déjà bien servi. Et on va commencer. Moi, je pense que je vais rester dans le même thème. Donc, le tapis en mousse parce que c'est des tampons transparents. Donc, voilà le set de tampons. Place au pingouin. Qui est très bien servi. Qui est coordonné aussi avec cette jolie perforatrice. Moi, je l'adore. Ce petit lot, c'était vraiment mon coup de cœur. Et je ne sais pas, pour les nouvelles personnes qui ont déjà commandé, vous avez vu que maintenant, on peut placer directement nos tampons sur la plage arrière. Et évidemment, on peut voir d'un seul coup d'œil s'il nous manque un tampon ou non. Donc là, je vous fais un petit exemple. Moi, je ne l'ai pas fait, mais après, on est libre de le faire ou non. Et on place ici, comme ça, d'un coup d'œil. Hop, on voit s'il nous en manque un et on sait qu'il faudra le chercher pour plus tard. Alors, donc moi je vais repartir sur une petite piste comme ça de glisse. Et puis je pense que je vais faire avec le pingouin là et faire pourquoi pas des petites cornes de rennes. Donc, je vais prendre le pingouin qui se trouve debout. Mais avant ça, je vais faire avec ce bloc là. Non, mais ça sera plus simple. Faire la petite piste. Alors, pour être sûr qu'il soit bien droit, bien aligné, vous laissez votre tampon se positionner tout seul sur votre papier et vous mettez votre bloc juste dessus. Je sais pas si, j'étais hors champ. Comme ça, là, vous avez la courbure du tampon qui vient tout seul. Alors, donc moi, je vais faire la neige avec le petit trait noir avec l'encre Memento. Voilà, ça n'a rien d'appuyer trop fort non plus. Et je voudrais que mon petit pingouin, hop, il glisse, elle n'est pas trop bas non plus. Hop, ici. Voilà, nous avons notre petite piste de luge, notre petite montagne pour notre petit pingouin. Alors ensuite, je pense que je vais faire mon petit pingouin, mais en haut de la piste, en bas. Je pense que je vais le faire en haut. Un petit cadeau. Qu'est-ce que vous en pensez? En haut ou en bas le pingouin? Sur les doigts. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Je vais en mettre dedans parce que j'en ai pas assez. Je l'ai pas assez ancré. Bon. Hop, je vais le mettre tout en haut. Là, il n'a pas bien marqué, donc on va pouvoir tricher un petit peu après pour le corriger. Alors, pour le corriger, ce que l'on peut faire, c'est soit utiliser le Stamparatus pour retamponner dessus, au moins on est sûr d'être au bon endroit. Et moi, comme souvent, je me trompe et je n'utilise pas le Stamparatus que je devrais, je vais utiliser les Stampin' Right. Et là, je vais prendre la même couleur, noir nu, évidemment, pour combler les petits traits qui manquent pour pouvoir cacher et voir que le pingouin est vraiment noir. Pour rattraper un petit peu les erreurs. Bon, là, j'ai pris la pointe la plus épaisse, mais on peut utiliser la pointe plus fine qui sert aussi à écrire. Donc là, c'est la pointe toute fine. Moi, j'ai pris la pointe un peu plus épaisse. Voilà, on corrige un tout petit peu en faisant très attention. Et je vais faire pareil pour la petite courbure
de la petite montagne. Dans le scrap, on arrive toujours à corriger nos petites erreurs, à les camoufler. C'est ça qui est génial. Voilà. Donc c'est bien utile d'avoir quand même les Stampin' Wet, ça permet de corriger nos bêtises. Alors le petit pingouin, évidemment, on le met de côté. Et on va pouvoir utiliser les autres petits blocs pour pouvoir faire son petit nez. Donc là, le même nez, il va être tout droit. Je vais positionner ici. Donc moi, je vais prendre du tarte au potiron pour faire le bec et les petites pattes. Alors, on ancre bien ici. Je vais positionner. Désolée, je suis peut-être hors champ, mais c'est pour bien positionner. Voilà. Ensuite, je vais faire les petites pattes. Alors, où sont-elles? Elles sont ici. Hop, les voici. Et pareil, je me positionne bien. Comme ceci, il est bien sympathique ce petit pingouin. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ce lot vous l'avez acheté? Ou vous allez l'acheter? On va dire plutôt dans ce sens-là. Donc ensuite, moi je vais prendre. Hop, j'avais dit que je ferais les petites cônes. Je vais voir ça. Que ça va être bien ça. Non, je l'ai fait peut-être un peu trop haut, mais c'est pas grave. On va le faire quand même. C'était dans mon idée. Hop, des petites cornes pour le renne. Donc c'est pareil. Je suis désolée, je suis hors champ. Hop. Je trouve ça trop rigolo. J'adore. Il est vraiment très très beau ce lot, ces petits pingouins. Et pourquoi pas lui faire une petite écharpe et vite éventuellement. Alors l'écharpe elle est là. Je vais bien faire un vert. Sapin ombragé. Que je pense que je vais faire en deuxième temps. Et vous allez me dire pourquoi j'utilise le tapis en mousse là. Parce que c'est un tampon transparent. Et des fois, ça se met pas très, très bien l'encre. Donc, ça nous aide à bien appuyer, à bien répartir le tampon et l'encre partout. Donc là, je fais 1, 2 pour voir ce qui me va le mieux. Et je préfère la deuxième génération. Donc c'est parti. Alors désolé, je me mets hors champ parce que sinon je ne vois pas ce que je fais. Hop. Hop. Qu'en dites-vous avec sa petite écharpe? Alors maintenant je vais pouvoir faire des petits sapins. Dire qu'on est dans la forêt et je vais rester dans la même teinte de vert. Là, je vais faire en première génération parce que les arbres ils sont jolis, un peu plus foncés. Et cette fois-ci, au lieu de les faire du même côté, je vais le faire du côté opposé. Hop, et de 1. Magnifique, c'est trop trop beau. Je vais me répéter, mais je l'adore ce set de tampons. Allez, on va. Hop. Alors, pour le plaisir, on va en mettre un de l'autre côté.
très sympa. Pourquoi pas faire un petit cadeau comme j'avais fait un petit sac. Le petit cadeau il est là. Hop. Allez, un petit cadeau. Je vais faire la même couleur que la carte, donc en béguin bleu. Et je vais lui mettre juste là dans la descente. Pour moi, c'est presque fini. Je vais faire des petits flocons de... Non, je ne vais pas faire flocons de neige parce que là, il est vachement haut, le pingouin. Mais par contre, je vais déjà pouvoir préparer mon petit message. Alors ici, j'avais mis « Amuse-toi ». Donc, je vais prendre la chute de papier blanc. Et là, il y a comme message. Ici, « Sois cool, détends-toi, amuse-toi ». C'est tout plein, mais plus encore, à l'amitié la plus cool, je t'aime gros comme ça, plein de merci, joyeuse fête, ton jour de fête. Et là, je crois que je vais marquer plein de merci pour changer. Alors, plein de merci, où se trouves-tu? Ici, plein de merci, et je vais le faire en noir. Donc, à la memento. Comme ceci, de toute façon, après, je vais la passer à la perfo. Je nettoie toujours mes tampons en même temps. Et le reste, je le finirai après. Hop, donc, je vais pouvoir enlever mon petit tapis là. Je vais garder ceci comme modèle. Donc, on va pouvoir assembler le reste de la carte, au moins pour le devant de la carte, ça sera fait. Donc, là je prends ma base, on avait dit qu'on prenait du papier à motif qui mesure 10 par 14, donc bien attention au sens, comme j'ai dit au tout début. Donc on va coller. Ça permet de mater un petit peu votre papier. Là, je reste dans la thématique de la forêt avec ce papier plein de sapins. Donc ensuite, je vais mettre mon papier blanc par-dessus. Et ici, je mettrai mon petit message en dessous. Alors, pour faire le petit message, moi j'utilise une ancienne perforatrice, comme ceci, pour faire la petite découpe. Donc je centre bien, que ce soit bien droit. Et pour donner un peu d'effet juste derrière, je vais prendre un bout de papier bleu. Coordonnées évidemment à la base de carte. Moi j'ai pris béguin bleu. Et pour que ça retorte sur le côté, je vais prendre ma paire de ciseaux. Hop. Et je vais couper en deux. Hop. Dans ce sens-ci. Donc à peu près à la moitié. Et ce que je fais, c'est que je vais mettre un petit point de colle juste derrière. Pour faire un petit peu de relief. Donc vraiment un petit point de colle parce que sinon ça va sortir. Hop. Voilà, et on fait pareil de l'autre côté.
et on essaie d'avoir à peu près la même longueur de chaque côté. Voici ce que ça donne. Et pour remettre le message, on va mettre un petit peu de pastille transparente. Comme ceci. Moi, j'en mets que deux, vraiment. Une de chaque côté. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Parce que ça colle vraiment très très bien. Voilà, et je vais placer le message vraiment bien en dessous, comme ceci. Donc là, on va passer vraiment à l'intérieur de la carte. Alors avant de faire notre carte, moi là, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait comme des petites surpiqûres avec le feutre tout autour. Après, vous n'êtes pas obligé, mais je trouve que ça donnait un petit style. Alors je vais faire pareil avec un stopping right coordonné à la base de ma carte. Donc moi c'est du béguin bleu et je fais des petits traits comme un effet couture. Alors il faut le faire avant de le coller parce que sinon c'est pas très bien fait, donc c'est pas besoin d'être régulier. Voilà, moi et j'avais fait une petite boucle. Non obligé de le faire et vous n'êtes pas obligé de faire la boucle comme moi. Mais vous pouvez faire l'effet couture tout simplement sans boucle. Ça c'est une petite idée déco supplémentaire que j'aime bien faire depuis pas très très longtemps. J'essaye de me perfectionner dans d'autres domaines aussi. Que ça vous arrive de faire des petits points de surpiqûre sur vos cartes. De toute façon, là, c'est la même longueur de chaque côté, donc on pourra coller la carte comme on le souhaite. Donc, pour coller la base de la carte, on va coller d'abord un côté, comme ceci. Et on fera la déco intérieure par la suite pour l'effet pop-up. Donc, on met de la colle sur toute la longueur, toute la partie qu'on a découpée. Voilà. Hop, il n'y a pas besoin d'avoir de sens, hein, c'est la même longueur, là on n'a rien mis de plus. Donc on sent à peu près de chaque côté, pour que ça soit à peu près la même longueur. On colle bien tout ceci. Et pour pouvoir coller de l'autre côté, que ce soit pareil, il suffit de replier notre carte. Comme ceci, là, comme si elle était repliée. Là, excusez-moi, un peu du cafouillis. Et je mets la colle sur la partie à encoller. Et ce que je fais, c'est que hop, je ferme ma carte et j'appuie. Comme ça, moi, je sais qu'au moins, c'est au même endroit de l'autre côté. Et on pourra fermer la carte correctement. Donc on attend un tout petit peu que ça prenne. Voilà. Et si j'ouvre la carte, elle est parfaitement collée au même endroit de l'autre côté. Alors j'enlève ça parce que ça m'embête un petit peu. Donc pour la décoration intérieure, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les petits personnages que l'on a dans le papier de Celebration. Pardon.
Donc j'ai détouré vraiment chaque personnage, mais avant de le détourer, j'ai pris la partie du papier et que j'ai collé sur du papier blanc. Parce que de l'autre côté, évidemment, vous avez un deuxième motif. Donc si on le voit, c'est pas très très joli. Alors c'est pour ça que j'ai d'abord collé comme ceci les personnages sur du papier blanc. Et ensuite, j'ai détouré autour des personnages. Donc ça, je l'ai fait en avant. Donc vous voyez que ici, j'ai découpé d'autres personnages. Et bien avant, je les ai collés sur du papier blanc. Donc pour savoir où je vais positionner mes petits personnages, je vais les positionner en avance, sans les coller, pour voir ce qui me convient le mieux. Hop. Hop. Moi, comme ceci, ça me plaît bien. Voilà, je vais mettre les quatre personnages, j'aime bien. Alors, pour pouvoir coller les quatre personnages, chose que je fais, c'est que je mets vraiment un petit filet de colle sur le bas de chaque personnage pour pouvoir le coller ici. Mais vraiment très très peu, il ne suffit pas grand chose. Parce qu'après, ça risque de déborder ou de bouger tout simplement. Alors, un petit filet de colle, je pose bien dans la charnière, j'appuie et je relâche. Voilà. Et ensuite, ça va se coller réellement quand on ferme la carte. Donc là, je vais mettre un petit filet de colle pareil. Le bas du petit ours. Pareil pour le petit pingouin, vraiment tout en bas. Vous voyez que je mets vraiment quasiment pas de colle. Hop, et le dernier. Hop, que je mets tout en bas. Là, les personnages sont collés, donc je referme ma carte. Donc, les coller bien dans le bon sens aussi, j'ai oublié de vous le préciser, mais quand on l'ouvre, il faut qu'on voit les personnages de dos, limite, qu'ils soient blancs, et quand on ouvre, on les voit tous. Voilà. Là, les personnages sont collés. Donc voici la version qu'on a faite aujourd'hui. Moi je ne mets pas de petit message à l'intérieur, mais on pourrait retamponner un autre petit pingouin ou pourquoi pas le reconstituer avec la perforatrice ou marquer un message autre à l'écrit. Ça c'est l'interprétation de chacun, chacune. Donc ça c'est la première version. Vous préférez laquelle? La première ou la deuxième? Moi j'aime bien les deux, ça change après. Ça reste enfantin et j'aime beaucoup sur le thème des petits pingouins, mon sacré coup de cœur de ce catalogue. Alors ce que je voulais vous parler également, c'est que pour obtenir éventuellement les papiers pingouins, on peut toujours les obtenir dans Celebration en faisant 60 euros d'achat minimum. Donc vous faites 60 euros d'achat et vous choisissez ce papier là à la fin. Donc Celebration c'est jusqu'au 30 septembre. Donc dans ce petit livret ici. Vous pouvez toujours commander auprès de moi sur ma session ou par moi directement. Hein. Si vous voulez commander sur ma session, il y a ce code-ci à taper si votre commande fait moins de 200 euros. Et je vous enverrai un petit cadeau de remerciement le mois prochain. Et vous recevrez directement la commande chez vous. Donc là, je vous rappelle que c'est 60 euros d'achat minimum pour obtenir un cadeau. Et certains, c'est à partir de 120 euros d'achat. Donc il ne reste plus que 3 bonnes semaines. Un peu plus même pour obtenir ces cadeaux si ce n'est pas déjà fait. Pareil, si vous voulez devenir démonstratrice pendant Celebration, ça vaut vraiment le coup.
parce que vous avez toujours le kit qui est à 129 €. Vous choisissez toujours pour 175 € d'achat, enfin de matériel, dans les deux catalogues, que ce soit annuel ou automne-hiver. Et en plus, vous choisissez un lot de matrice et de tampons ou de perforatrice et de tampons parmi la liste ici. Donc là, honnêtement, ça vaut vraiment, vraiment le coup parce que là, vous avez un set complet offert en plus de, dans votre kit d'achat. Tout ça pour 129 €. Et comme le catalogue a été lancé le mois dernier, je vous propose de recevoir des échantillons de papier comme à chaque sortie de catalogue. Tout ça pour 34,50 € plus les frais de port, soit que je ne vous enverrai pas à la poste ou par Mondial Relais. Ça, vous me le direz quand vous aurez choisi. Je vous propose d'acquérir les 9 collections de papier qu'il y a dans le catalogue, mini-catalogue automne-hiver, par groupe de 4 personnes. Donc ça vous fait un quart de chaque collection. Donc c'est pas négligeable non plus, ça vous permet de voir en direct, en vrai, de pouvoir manipuler les papiers, de voir comment il est, si ça vous plaît, et éventuellement de recommander par derrière pour pouvoir faire vos créations. Alors si vous êtes intéressé, dites-le moi, comme ça je puisse commander en commande groupée et je m'occupe de vous préparer ces petits lots. Et dernière information qui va sortir donc dès le 8 septembre, il y a la nouvelle boîte Paper Pumpkin qui sort avec les, ça s'appelle une explosion de couleurs et je la trouve magnifique, je pense que je vais craquer. Elle fait la même collection qu'il y a dans le catalogue annuel, donc je ne l'ai pas sous la main, mais ça s'ajoute un petit peu à cette liste de papier et un petit peu à ce que j'ai fait ici dans le même style et que je vous présenterai très prochainement. Si vous voyez bien, si vous comparez bien, ça fait à peu près les mêmes tâches et ça, je vous expliquerai comment obtenir ce petit dégradé et cette manière de faire des fonds de cartes uniques parce que nous n'obtenons jamais le même résultat sur chaque carte. Donc si vous êtes intéressé, dites-le moi. On passera commande le 8 septembre pour la Paper Pumpkin. Si vous voulez obtenir des échantillons de papier, c'est pareil, dites-le moi très rapidement. Et pourquoi pas rejoindre mon équipe et vous obtenez votre kit à prix, je ne vais pas dire prix coûtant, mais à un prix qui vaut vraiment le coup parce que là vous obtenez un lot de tampons et de matrices ou tampons et perforatrices juste pour 129 € au lieu de bien plus. Alors, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée.